Chaque année, plus d'un milliard de volailles et 37 millions de bovins, de cochons, de moutons, de chèvres et d'équidés sont transportés vivants dans l'Union européenne et vers des pays tiers. C'est aussi notre modèle alimentaire beaucoup trop carné qui doit être interrogé. Alors évidemment qu'on ne peut pas défendre ni soutenir des pratiques qui font que des animaux sont transportés dans des conditions aussi déplorables. Pour autant, on ne peut pas remettre non plus en cause l'intérêt de l'élevage sur le développement de nos territoires et sur les créations d'emplois qu'il propose. Et donc, nous devons chercher des alternatives au transport des animaux par de l'abattage local, des abattoirs mobiles, de l'abattage à la ferme surveillée, de manière à faire que ces conditions d'élevage disparaissent et qu'on puisse s'appuyer sur des alternatives acceptables et pour les animaux et pour les consommateurs. Ce scandale, c'est un scandale européen. Et il faut que nous trouvions des solutions à la bonne échelle. Européenne. Plus que jamais, nous réclamons une commission d'enquête pour faire toute la lumière et apporter des solutions concrètes à ce scandale du transport des animaux vivants. Le scandale du transport des animaux vivants est avant tout basé sur un modèle fou, axé sur la consommation à outrance et l'exportation à tout prix. Il faut en finir avec ce modèle mortifère qui nous fait perdre notre humanité. Il faut revenir à un modèle local, soutenable et respectueux du vivant. Si vous n'avez pas compris qu'il est grand temps de défendre la vie des animaux plutôt que les intérêts de l'industrie agroalimentaire, alors vous n'avez rien compris.